Et allez, c'est parti. On va aller chercher le deuxième cadavre. Ça fait bizarre à dire. Sinon, on voit ça, il passe. Oui, on va acheter le deuxième cadavre. Si je téléphone d'eau, on va prendre le deuxième cadavre. Peut-être qu'on voit pas la petite sœur. Elle bouge encore. Ah, ça a bien aidé, hein. Carrément. Tu vois, il y a de la dent. Ok, les cadavres qu'on a tués, c'est peut-être plus. Hein. Ça me rappelle quand nous on s'est tué. J'ai les gens qui sont venus. Putain, j'ai les gens là-bas. J'ai vu que je redescendrais avec samedi prochain. Ouais. Merde, j'ai perdu la route. T'inquiète pas, on va changer. Le but quand on coule ce truc comme ça, c'est qu'il y a un truc à pirater. Ils en donnent pour que... On en manque pas. Bonjour, vous. T'es revenu, hein. On peut pas revenir. C'est tellement plus facile de pirater. Ah, c'est une tourelle. Je m'attendais qu'à que l'école. Viens, monsieur Félix, c'est tout prêt. Ah, c'est lui? Non, il est là. Allez, école. Je n'éprouve pas de haine à ton égard, Delta. Je te porte la même affection que je porte à tous les autres membres du troupeau. Mais je ne peux sacrifier des milliers de mes enfants pour un seul fils rebelle. Tiens, j'ai rien à faire. Ah, c'est mort. Ouais.
il reste tout plein. Il s'attaque à la poupée. J'ai même pas vu comme ça. Pas l'entendre en fait. Vas-y, bois. On finit. Voilà, là, tu vois l'effet de travail. J'ai fini, monsieur Poulet. C'est toi ? Ça veut dire qu'on est bon ? Parfait. On aura bientôt suffisamment d'Adam. Si tu veux récupérer ce qui te manque, va falloir que tu t'occupes de cette petite sœur. Les gamines doivent avoir une manche à heure dans l'atelier. Escorte-la jusque là-bas. Ok, je prends une manche à heure. Je rationne ma nourriture depuis que le parc est coupé du reste de Rapture. Je dois rester fort. Je suis coincé dans cet atelier, entouré de ces gamins brailleurs qui essaient d'entrer. Ils volent ma nourriture, mes armes, ils volent tout. Mais j'ai un plan. Je vais réparer le sous-marin qui rouille dans la zone de maintenance. Et après, je me tire en vitesse de ce trou puant. C'est tellement monstres veulent Rapture. Je leur laisse volontiers. C'est abusé en fait. On perd pas de vue. Lâchez cet enfant, espèce de. Mais je tiens pas. Elle est pauvre. Oh. Tellement bien cette arme. Il est temps à présent de parler à Sinclair. Ah, Sinclair était du côté de Ryan. Les seuls outils du parasite sont les taxes et les décimes qui lui permettent de s'approprier ce qu'il n'a pas gagné lui-même. En Rapture, tout ce que nous gagnons reste à nous. D'accord. On n'a pas de chômeur à rappeler. Oui, je suis pour le chemin. Non. À la surface, le scientifique dévoue son génie tout entier à la recherche et s'élève peu à peu au-dessus de ses pairs. Mais les parasites s'écrient ? Non, la recherche doit être encadrée, contrôlée, puis finalement, abandonnée. L'artiste lutte pour subjuguer son public, pour illustrer son idéal. Et le rendre éternel. Mais les parasites vocifèrent. Non, l'art doit servir notre cause. Vos idéaux mettent le peuple en péril. Lâchez cette pauvre petite fille sans défense. Ah ouais, j'en défends. Tu la lumière. Tu l'as tué, j'en défends. Je la porte sur toi, mécréant. Ça pourrait tomber. On va penser un peu dans le débat du chemin. C'est nécessaire. C'était bon, on était mauvais chômeur. Enfin, le chômage il change d'un pays à l'autre. Rien. Lâchez-toi. Merde. Il parle. Pas plus de carburant. On peut qu'elle meure, elle meurt. Allez, du carburant. Pas employé la balle. Ah, j'ai tout un rond en fait. On n'est pas invincible. Hein. C'est des quoi de bien ? Dénué de toute ingéniosité, le parasite craint le visionnaire. Il censure ce qu'il est incapable de plagier. Il interdit ce qu'il ne peut contrôler. Rapture a été fondée sur un idéal. Ici, Tellenbaum voudrait sûrement que tu rendes à cette gamine son humanité. Tu aurais juste assez d'Adam pour nos affaires, et la petite serait reconnaissante. Mais tu sais, Rapture est un drôle de casino, et ce petit monstre-là, c'est le jackpot.
À tous les coups, on gagne. Tu aurais plus d'Adam pour toi et des plasmides à plus savoir qu'en faire. Réfléchis, mon ami. Ah ouais, par ici, c'est elle ou toi. On veut la sauver. En tout cas, pirate. Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça. Au moins, tu ne joues pas des lancements. Alors, où est-ce qu'elle est, sa bouche d'air? Il y en avait tous les 10 mètres avant? Maintenant? C'est inversé à rapport au 1. Sauvé. Voilà. Mais c'est que la boîte de conserve a un cœur, dites-moi. Tu vas voir, c'est coton d'assumer une part pareille ici-bas. Enfin, tu as assez la dent pour ce qu'on doit faire. Ouais, voilà. File vite au rôle du futur et injecte-toi une dose d'incinération dans les veines. Tu peux l'aider ? Allez, monte. Bon, maintenant on va tout seul. Peut-être qu'on arrive à côté plein là-dedans. Regardez sur nous. Oh, c'est tellement pas de vie. Ah, mais c'est moi qui t'appelle là. Ah. Mais j'ai fini, oui. Ah, si. C'est cela, oui, courez. Et c'est pas un homme le plus fort, hein. Il va me créer, là, peut-être. On prend. Ok. Ok, ça aussi. Là, j'ai plus de carburant, donc on va attendre d'avoir un petit peu plus. Et on va peut-être pas celui de force tout le temps. C'est un protecteur, parce que. Pas de reste. À la surface, vos parents usaient de leurs innombrables compétences pour subvenir à vos besoins. Ils ont appris à manipuler les mensonges de l'Église et du gouvernement, espérant ainsi vous protéger. Mais les parasites ont empêté. Non, l'enfant a un devoir. Il doit partir à la guerre et mourir pour sa nation. Ah ouais, carrément. C'est une autre époque, hein. Il n'y a plus vraiment de guerre à cette époque. Ne sais plus de parler par la bouche. Ah si, il y a encore des guerres. Tu sais que je ne plus si grave quand. Fais pitié. Est-ce qu'on peut tirer la tête? Allez. Ça marche pas. Plus de dégâts de tirer la tête. La double amélioration. Oh, on est encore dérivé, parfait. Ah, c'est
suivons la flèche. Et votre espèce est irrécupérable. C'était comme pauvre. J'ai déjà mis dedans. Alors, un peu. Ben. Ben. C'est le bleu, je pense, le mieux. Ah, voilà, le bleu. Ah, c'est qui? C'est pas celui-là, non? Ah, je sais pas s'ils ont plus de dégâts. Bon, on veut du feu. C'est bizarre quoi. Hein? Ah, la musique du début. Oh, ouais. Je sais que ces installations sont vitales pour préserver le secret dans Rapture. Et être représenté sous les traits d'un monstre de cire terrifiant. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai parlé à un garçon qui quittait le parc avec ses parents. Lui demander s'il avait appris quelque chose. Il m'a répondu qu'il ne rechignerait plus jamais à ranger sa chambre et vider la poubelle. Mais par pitié, a-t-il ajouté, dis à maman de pas m'envoyer à la surface. Ah, il commence à avoir des armes. Encore une faute de soin, quoi. Je suis pas mort, quoi. Dans le 1, je m'aurais. Faut mal ces armes là. Je pense à prendre l'autre. Il y a encore un. 666, un éclair du ciel. Ah, j'ai quand même été où? C'est le bordel. Je suis à fond donc. Celui que j'avais créé là-bas et qui fait ça. C'est un petit pot, j'en mets plein. Quoi, plein de trucs à côté? Ah non, non, on se tue, on prend du fer. Je sais pas si c'est moi qui fais tout le calme ou si c'est le jeu qui est. Le calme. Mais... Ah, c'est bon de rire. Ah, ainsi, tu oserais saigner notre famille et la priver de son sang. Rapture est un organisme vivant, Delta. Moi, je suis sa voix et la grande sœur sombre armée.
Rapture parle de toi, elle ne dit que ceci. Qu'il dorme maintenant. Ses jours sont finis. Ouais. Elle est pas folle, l'embarme. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Le feu. C'est la même qu'avant, hein? Mettez le feu à vos ennemis! Attention! Le feu se propage vite, très vite! Logique. Alors, on va foutre pour avoir voilà, plus de vie. Félicitations! Vous venez d'acquérir le plasmide incinération. Imaginez que Tom passe une soirée romantique avec une charmante demoiselle. Ne serait-elle pas ébahie de le voir illuminer la pièce d'un simple claquement de doigts? D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait des naissances. Ouais, c'était une chose qui aurait. C'est vite. Bon, on a eu nos flammes, il y a 20 minutes. Je sais pas ce qu'on va faire. Je suppose qu'on va sortir d'ici, ils vont nous rappeler. Là, on fait peur, hein, quand même. Les contrôles tout, plus que rien. Ouais, elle est dangereuse. On verra ce qu'on lui fera samedi prochain. Il aurait peut-être un peu plus de tonus. Ah, j'ai peur de s'oxyder. Ouais, à samedi.